Aujourd'hui, je te présente la meilleure stratégie d'attaque pour aller chercher le 3 étoiles sur le défi technique du clonage miroir. On est directement sur le compte développeur et tu vois, j'ai déjà mis mon 3 étoiles sur le défi. Donc, je vais te montrer mon astuce. Elle est vraiment super simple. Tu vas kiffer. Donc, tu mets directement... Bon, déjà, attends, première chose, c'est qu'il y a deux nouvelles troupes qui sont jouables. On a le mecha et la sorcière, je sais pas comment elle s'appelle, sur son balai. C'est plutôt cool. Et t'as également un nouvel équipement épique pour la reine, qui est un miroir clonage qui va justement cloner par deux ta reine dès que tu l'actives. Et donc t'as trois reines sur le terrain. C'est assez cheaté dit comme ça. Mais en vrai de vrai, je trouve ça un petit peu claqué au sol. Je vais pas vous mentir. Du coup, on va mettre également... on va commencer avec une sorcière au sud. Tu vas voir que en fait, c'est très très fort sur les tours sorciers. Ça te l'a détruit. C'est sûr à certains, tu vois. C'est sûr, il n'y a pas de doute. Tu vas faire également la même chose au nord, un petit peu loin de la tour de sorcier pour justement faire que toutes les HH du château clan sortent. Voilà, pour les gérer plus facilement ensuite, tu vas comprendre. Et tu vas mettre ton golem ici avec également un mecha qui lui, en gros, lui, il fait énormément de dégâts au rempart. Voilà, c'est un peu comme une racine, mais en mode... ouais, il fait un peu plus de dégâts aux défenses, donc voilà, c'est un petit peu différent des racines, mais c'est pas incroyable. C'est pas forcément une belle plus-value, je sais pas combien d'espace de troupes ça prend, mais en tout cas, je vais pouvoir vous présenter tout ça dans deux petits jours, donc activez bien la cloche. Et puis derrière, une fois que toutes les tours de sorciers sont tombées, tu en mets deux sorcières au sud, deux sorcières en fait sur chaque canon à ricochet, comme ceci. Et puis derrière, également, tu vas mettre sur les canons à ricochet, dès qu'ils sont tombés, des mechas pour aller chercher les tours d'archère en mode... rapide, enfin je sais pas comment dire, mais enfin en mode fusionné je voulais dire. Donc ça c'est plutôt stylé, tu peux mettre ici un petit sort de sismique pour prendre toutes les T2. Et puis également pourquoi pas, le grand gardien. Tu vas mettre ici le sort de rage sur les sorcières. D'ailleurs j'ai une sorcière en rab, donc je sais pas quoi faire avec. Je vais mettre un sort squelettique ici, pourquoi? Parce que j'ai envie. Et puis derrière, dès que le grand gardien il peut toucher les T2, tu vas utiliser sa boule de feu. Et là, ça va détruire toutes les T2E. Et là, bah, ça va être le 3 étoiles qui va passer avec un sort de clonage, 2 sorts d'invisibilité, enfin 4 sorts d'invisibilité en rab. Enfin bref, c'est un 3 étoiles qui passe super rapidement et facilement et largement. Donc, tu peux t'abonner si tu as apprécié la vidéo et que tu apprécies les valeurs de la chaîne. Tu peux mettre le pouce bleu. Et puis, tu peux aussi rejoindre le serveur Discord Clash of Clans français. C'est le plus grand serveur de la communauté et c'est le meilleur endroit pour recruter. Alors moi, je te donne rendez-vous là-bas. Et je te dis à tout bientôt dans d'autres vidéos. Salut tout le monde!